Ah non, je ne t'écouterai pas. Espèce de brute sauvage esquimau. Ah, mais je peux m'écouter quand même. Non, je ne t'écouterai pas. Tu peux me battre si tu veux. Alors, je ne suis plus ton gosse qui a bouche, hein. Ton mari est chez lui. Ton grand imbécile de briseur de glace, tu ne m'aimes plus. C'est bien vrai. Bon, en tout cas, je t'aime toujours comme avant. Je peux être encore plus tard. Et pourtant, tu as changé, tu sais. Oh, bah, oh, bien sûr, mais de même. T'as un bébé si un peu empâté. Un peu si, un pâté de 10 ans. Ça y est, tu m'écoutais. Ah, mais tu devrais me rendre ton âge, je parie une femme. Rassure-toi, tu n'es jamais tout si belle, je t'aime. Bon, je t'aime, mais je te demande pardon. Toi, dans les bras de l'autre, mais c'est grotesque, c'est à mourir de rire. Oh, mais n'exagère pas de sens maintenant. Hein. Alors tu ne me demandes plus, tout est fini. Non, tu redevenu mon mari, chérie. Alors allez-moi. Quoi? Tes cablogrammes, ce sont mes lettres d'amour à moi. Tiens. Clara, la bouche va. Je t'ai fait. Et qu'est-ce que tu fais ici? Et toi, notre petit
l'Arctique. Quel article? L'Arctique. L'océan. Croyez-vous qu'un homme puisse dériver dans les mers polaires et camper pendant des mois sur une banquise? Non, mille fois non. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Mais j'en sais rien. Chaque fois qu'elle me rencontre, elle me parle de l'Arctique. Comment? Mais c'est vous qui m'en avez parlé au premier. Mais jamais de l'Arctique. Je sais ce que je dis, donc je ne suis pas folle. Amoureux qui se chamaillent ont toujours les meilleurs nids.